Alors, parce que fini la jurisdiction, j'espère que madame aime notre produit final. Quoi? Je suis confus. Dis-tu qu'environ 73% des bouteilles en plastique ne sont pas recyclées et environ 2,5 millions de bouteilles sont vidées par heure? Je crois que je devrais probablement recycler cette bouteille. Oui, et tu peux aussi te servir d'une bouteille réutilisable comme la mienne et tu peux faire ta part d'aider l'environnement. J'aime beaucoup ton chandail. Merci, j'ai acheté un centre d'achat. C'est pas mal fancy, n'est-ce pas? Très fancy. Est-ce que c'est un produit de libre-échange? Je sais pas, c'est quoi le libre-échange? Le libre-échange est une entente internationale qui favorise la croissance de l'économie de tous les pays impliqués. Les produits de libre-échange sont aussi fabriqués dans des usines qui respectent les droits de leurs employés et qui assurent un environnement de travail sécuritaire. Je ne savais pas ça. C'est bien que le libre-échange aide à développer l'économie dans les autres pays. Mais comment est-ce que je sais si c'est un produit de libre-échange? Il faut chercher. Ça, c'est bon. Awesome. OK. Retournons au travail. Il nous faudra au moins deux piliers. Non, avec cinq piliers, la structure sera beaucoup plus solide. Peut-être quatre piliers. On devait passer avec. Qui va pour cinq piliers? Bryson, quelle est ton opinion? Je ne vote pas, parce que tout le monde a déjà décidé sur cinq piliers. Alors, mon vote ne va pas faire une différence. Avoir le droit de vote nous donne l'occasion de partager notre opinion et de se faire entendre. Savais-tu que dans certains pays, les gens sont forcés de voter d'une manière, même si ceci n'est pas en accord avec leur valeur personnelle? Nous avons de la chance ici au Canada d'avoir un système de gouvernement démocratique. C'est vrai, c'est awesome que j'ai le droit de voter. Alors, je suis là à trois piliers. Pourquoi? Nous avons beaucoup parlé de la citoyenneté aujourd'hui. Quoi? Hein? En sciences humaines, j'ai appris que la citoyenneté est composée de trois piliers principaux. Il y a le pilier de l'environnement qui nous encourage de prendre soin de l'environnement. Oh, oui, je me souviens de ça aussi. Il y a aussi le pilier de l'économie qui favorise la croissance des pays d'une manière juste et équitable. C'est vrai, et il y a le pilier social qui soutient la justice et les droits humains. Oui, notre structure aura trois piliers pour représenter les composantes de la citoyenneté. Oui, bonne idée, Bryson. Je vote pour trois piliers aussi. Moi aussi! C'est décidé alors. Terminons notre structure. Nous avons besoin de votre aide. Faites votre part pour promouvoir la citoyenneté et le développement durable à Batikal. Pour plus d'informations, visitez Real Talks for Students sur YouTube.